Depuis 2 ans, Yvonique Le Pendu, un jeune chercheur français, étudie au Niger la dernière population de girafes de l'Afrique de l'Ouest. Tu as vu quelque chose ? Non, j'ai rien vu. À 50 km au sud-est de Niamey, la capitale, les girafes ont élu domicile dans une savane caractéristique, parsemée d'arbustes, qu'on appelle communément une brousse tigrée. Yvonique vient de former 13 guides naturalistes dans le cadre d'un projet d'écotourisme. Ils seront chargés d'encadrer les futurs visiteurs venus à la découverte du mammifère le plus haut de la planète. Aujourd'hui, Yvonique part avec eux pour la dernière fois. Ses observations sur les girafes sont terminées et dans 2 jours, il doit regagner définitivement la France. Ah ben ça, c'est des anciennes. C'est des anciennes places, là. Yvonique reconnaît Libellule. Il y a 2 mois, elle a mis au monde un girafon de 50 kilos. Comme toutes les girafes, elle a accouché debout. Le petit a fait une brutale arrivée sur Terre après une chute de 2 mètres qui a arraché son cordon ombilical. Une demi-heure plus tard, il s'est mis sur ses pattes. Il mesurait déjà 2 mètres de haut. Derrière là-bas. Pendant les 3 premiers mois de sa vie, le petit grandit allègrement de 20 cm par mois. À 2 ans, sa taille aura doublé et il mesurera 4 mètres de haut. La taille d'une girafe adulte est d'environ 6 mètres. Alors que dans d'autres pays d'Afrique, une jeune girafe sur 2 meurt sous la griffe d'un lion, ici, le seul et principal danger, c'est l'homme. Libellule est très méfiante. Elle tente d'intimider les hommes pour qu'ils ne s'approchent pas du girafon. Vraiment entre le petit et nous. Oui, c'est pour la protéger. Ouais. Elle pirouette sur elle-même pour surveiller les alentours. Ailleurs en Afrique, on trouve plus souvent les girafes dans des parcs et des réserves, mais au Niger, elles évoluent dans un milieu naturel non protégé. Pendant des siècles, elles ont été très nombreuses à vivre ici, au contact des hommes, dans une certaine harmonie. Au début du siècle,
la situation a malheureusement basculé. Victimes de la sécheresse, de l'extension des zones cultivées et des armes à feu, les girafes ont failli disparaître. En 1996, il ne restait plus que 49 girafes au Niger. Grâce à de sévères mesures de protection, elles sont désormais 73, ce qui est très encourageant pour l'avenir. Au cours des dernières semaines, Ivonique a repéré plusieurs futures mamans. Les amours des girafes ont lieu toute l'année, avec des pics de naissance en décembre et en mai. Les girafes ne se reproduisent qu'une fois tous les deux ans. Après une interminable gestation de 15 mois, elles ne mettent au monde qu'un seul petit. En deux ans de terrain, ni le chercheur ni les guides n'ont eu la chance d'assister à une naissance. D'après toi, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à voir ça? Moi, je crois que parce qu'après la naissance, à 3 heures, le bébé se lève et elle marche. Elle se cache alors? Elle se cache, je dis, dans un endroit très bien caché. Et après 3 heures de temps, le bébé marche. Ouais. Elle peut même courir. Je crois que c'est la raison. À l'heure actuelle, les chercheurs n'ont pas mis en évidence une hiérarchie sociale particulière chez les girafes. Elles peuvent vivre solitaires ou en groupe. Ivonique a observé qu'elles ont un contact avec un congénère en moyenne toutes les demi-heures. Leur déplacement reste également un mystère. Sans motivation apparente, elles peuvent parcourir plus de 150 km en quelques jours. Ivonique vient de repérer Gwendoline. Elle va mettre bas ce mois-ci. À deux jours de son départ, il ose encore espérer assister à une naissance. Les hommes ont décidé de camper sur les lieux pour surveiller Gwendoline. Ivonique veut aussi que les guides en profitent pour observer les activités nocturnes des girafes. À l'époque, elle vivait dans la région d'Aïrouf. Ouais. Muni d'une puissante lampe, le groupe s'est perché sur la voiture pour éclairer les ruminants. Loin d'être perturbé, ceux-ci continuent à chercher à manger. Les girafes dorment très peu, moins de 2 heures par 24 heures, et plus volontiers le jour, car elles peuvent continuer à surveiller l'horizon. En fait, le plus souvent, elles somnolent debout, les yeux grands ouverts, et pas plus de 3 minutes d'affilée. Les girafes vont se nourrir toute la nuit. Visiblement, Gwendoline n'accouchera pas ce soir. Ivonique et les guides décident de rentrer au camp.
Ils ont retrouvé le groupe de la veille. Mais Gwendoline est-elle toujours là? C'est vrai? Ouais. Oh, on va voir. Qu'est-ce que tu paries? Non, mais ce qu'on pourra essayer, c'est d'aller de l'autre côté. Peut-être que de l'autre côté, les tâches, c'est plus facile. Yvonique a photographié les deux profils de toutes les girafes. Il les a identifiés grâce à la forme et la répartition de leurs tâches, qui constitue une sorte de carte d'identité. Chaque girafe est répertoriée avec un nom et un numéro. Et voilà, je crois que c'est elle. C'est le petit, c'est les dessins que j'ai... Grâce à ce fichier préétabli, les guides poursuivront l'observation des girafes après le départ d'Yvonique. L'interminable cou de la girafe n'est constitué que de 7 vertèbres cervicales, comme l'homme et la souris. Mais chacune mesure près de 30 cm de long. Lorsque la girafe se met à courir, les pattes antérieures et postérieures se déplacent ensemble. En revanche, elle marche à l'amble. Les pattes avant et arrière d'un même côté se soulèvent ensemble. Son pelage peut varier du jaune sable au brun miel. Seules ses taches lui donnent son individualité. Au bout de son cou, la girafe possède un instrument précieux, sa langue. Longue de 45 cm, gluante et préhensile, elle s'immisce entre les épines pour enrouler les feuilles gorgées d'eau. Elle broie les jeunes épines, sectionne les bourgeons et épluche les tiges. Elle mange des fleurs. Sauf les épines. Ses babines sont mobiles pour mieux récupérer les feuilles. Et les poils de son menton lui donnent des informations tactiles. La girafe se nourrit à une hauteur variant entre 2 et 6 mètres. Elle n'entre donc pas en compétition avec les autres ongulés de la région. À cette période, fin de la saison des pluies, l'alimentation des girafes est très variée. Yvonique a recensé 15 espèces différentes de végétaux. Les girafes naissent avec 2 cornes qui poussent tout au long de leur vie. Avec l'âge, elles peuvent en avoir jusqu'à 5. Ce sont des protubérances osseuses recouvertes de peau. C'est la saison des moissons. Et les girafes rôdent autour des greniers traditionnellement érigés dans les champs, car elles raffolent des fagots de haricots laissés provisoirement sur le sol par les paysans. Lorsqu'elles trouvent un fagot, elles se délectent des gousses et des femmes. Seule une présence humaine peut les dissuader de s'en emparer. Mais il est souvent trop tard. Les paysans se plaignent auprès des guides car les girafes s'attaquent aussi aux mangues et aux récoltes d'une autre céréale, le niébé. On les prépare avec des haricots. Et maintenant, on doit avoir un hasard. Oui, je comprends les girafes. Une ONG a mis en place un programme de sensibilisation et de protection des girafes, animé par Mariama Amani, auprès des paysans et des écoliers. Ensemble, ils tentent de trouver des moyens simples et peu coûteux pour se protéger des girafes.
Aïcha. Le message est très important. Enfant du Bobon, pour arrêter l'avancée du désert, protégeons notre environnement afin de conserver nos terres et nos villages. Loin des soucis des hommes, deux jeunes mâles jouent à simuler un combat. Les habitudes changent. Désormais, des clôtures sont érigées autour des greniers et des manguiers dans la brousse. Les fagots de haricots sont ramenés au village et mis dans des hangars surélevés pour les protéger des animaux domestiques et des girafes. Pour observer les animaux, il faut pouvoir les distinguer. Ivonik a appris au guide à reconnaître les classes d'âge et le sexe des girafes. Ils savent les identifier d'après leurs photos, ce qui leur permet de suivre leurs déplacements. Un guide reconnaît Gwendoline couchée. Cette position la rend vulnérable et ses consœurs surveillent les alentours. Sa stature particulière, son excellente vue et sa capacité à distinguer les couleurs font de la girafe une vigie sans pareille. C'est la saison des melons sauvages, dont les girafes sont très friandes. Mais l'exercice nécessite une adaptation physiologique extraordinaire. Lorsque la girafe baisse la tête, l'afflux de sang vers le cerveau pourrait lui être fatal si un réseau sanguin extrêmement complexe n'intervenait. Les artères et les veines sont élastiques et varient de la grosseur d'un tuyau à la taille d'un fil, adaptant ainsi la pression artérielle. On en avait la 74. Ouais. Ça fait 6, hein, voilà, la 7ème, elle est partie. Hein. Elle est derrière, le elle est derrière. Tu la vois là-bas? Elle est de ce côté, ouais. Mm-hmm.
le chercheur savoure les derniers moments qu'il partage avec les guides et leur demande de continuer en son absence à observer Gwendoline. Yvonique dessine les taches d'un girafon qu'il n'avait pas encore répertorié. Mais c'est l'heure du départ. Monsieur le guide, nous voilà donc aujourd'hui réunis autour d'une table. C'est en effet à l'occasion du départ de l'éminent éthologue Monsieur Yvonique Le Pendu. Hélas, un départ qui crée un vide parmi nous, mais ses souvenirs resteront gravés dans nos mémoires. Monsieur Yvonique, à votre santé. Ah, tiens. Les guides sont désormais seuls. Ils vont surveiller les girafes, devenir leurs gardiens, perpétuer un pacte millénaire de cohabitation. Bercés par la rumeur nocturne, les guides rêvent de pouvoir bientôt partager ces instants avec des visiteurs. Le développement d'un écotourisme est une réelle option pour protéger les girafes et leur habitat. Actuellement, pour survivre, les paysans doivent cultiver et déboiser à outrance. Si à moyen terme, l'écotourisme a des retombées économiques qui améliorent leur qualité de vie, cela les incitera à épargner davantage leur environnement. Les guides veulent sceller un pacte de confiance avec les girafes pour qu'elles puissent retrouver, avec les hommes, une cohabitation harmonieuse.